Après, peut-être que je peux essayer de le rapprocher encore un peu, mais ça va pas être. Je vais pas gagner. Après, c'est peut-être que pour les qualifs, la pluie, non? Allez, c'est mon tour. Come on! Allez, il y a 20 pilotes, c'est mieux d'être au début. Hein. Je suis même pas centré à l'écran en plus. Comme... C'est bon, c'est bon. Il y en a qui vont être éliminés, vous inquiétez pas. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Ah, faut que je freine plus fort. Un peu plus comme ça. Oh, ça guidonne. Hein. Oh. Ah, c'est ça, c'est le retour de force que je voulais augmenter. Là, j'ai pas assez de retour de force, là, il me faut un truc un peu plus solide quand même. Oh, le retour de force, j'avoue que je le sens de ouf. Bah, tu sens les petites vibrations là, il est pas assez fort, mais. Y'a pas de DRS hein? Oh, je sais pas comment il est pas parti. Drôle de manière de. Alors, 12ème, les gars, 12ème. Je m'attendais pas à ça. Hop, je suis limite à qualif. Ah ouais, les gars. Bon, je peux finir devant toi alors que je joue avec CZ normalement. Ouais. Ouais, j'ai eu un problème au départ. Donc, il n'y a pas de DRS. Et ouais. Ça, tu vois, franchement, des jeux comme ça, quand là t'attends, tu peux pas accéder aux paramètres. Pourquoi elle accélère la voiture là, Thomas, sur mon volant, ça dit que ça accélère. T'as les LED, c'est incroyable. Je sais pas si vous vous rendez bien compte comment elles sont. Ah, attends, je peux peut-être faire un truc. Mais ça peut faire la différence. Pénalité de drive-through, tu as reçu une pénalité de drive-through. Embraye, vas-y, démarre! C'est quoi la. On nous a infligé une pénalité qui sera déduite de notre temps à la fin de la course. Les gars, ça m'a. Wesh! Dégâts sur ton aileron avant, dégâts sur. Les gars, ça vaut le coup d'aller à. Je te suggère de rentrer au stand pour le remplacer. Je vais dans le. Je vais au stand ou pas? Mais pourquoi les voitures sont invisibles? C'est trop chiant.
Oh, attends plus. Attends plus. Box, box, moi je vais box. Pénalité de drive-through. Ça veut dire quoi drive-through? Et bah je suis... Mais... Tourne. Oh, masterclass. 12, c'est quoi mon bouton 12? Vas-y, mets les gaz. Cet arrêt a pris plus de temps que souhaité. Tu m'étonnes, je suis resté 20 minutes. Comment je désactive cette merde? C'est quoi le bouton 9? Drapeau jaune. Tu peux maintenant utiliser le DRS. DRS disponible. Faut que j'apprenne les touches, les gars. Non mais lui il veut me tuer, mais il veut me tuer, mais il se croit drôle ce con. Je l'ai vesqui, hein. Non il veut me tuer ce connard. La charge de la batterie est élevée, tu peux utiliser la touche dépassement. C'est bon, c'est bon les gars. Bon lui on se souvient, hein. Maintenant on le kick de toutes les saisons. Hein. C'était quoi son pseudo? Bon lui il faut le battre du lobby, ouais. Ouais, je vais remonter les gars, 17ème. Mais avec les noobs qu'il y a dans la course, je pense que casser Nisha. C'est quoi son pseudo sur Twitch? Il y a toujours un connard quand même. Hein. Attends, pourquoi il me demande de retourner dans les stands là? Pense à ajuster ton mode ERS sur ton AMF. Si tu en ressens je suis besoin. Plus à ça près. Hein. La gueule du mec, vraiment. Attention au sous-virage quand tu es dans le sillage de la voiture qui te devance. Sans parler du flux d'air sale qui va affecter tes gommes. Quentin. Alors tente un dépassement dès que tu peux. C'est reparti. Là, je l'ai activé le DRS. Il vient de se pousser. Ah, tu m'étonnes, mon gars. Bah, et Quentin, il s'est poussé. C'est-à-dire, il sait qu'il a derrière lui. Il est pas non plus super naïf. Hein. Si tu ne purges pas ta pénalité de drive-through sur ce tour, tu seras disqualifié. Attends, je l'ai déjà fait. En sérieux ou quoi? Putain, c'est quoi mon bouton 12? Quelqu'un peut regarder? Bouton 9. C'est quoi ce putain de bouton 9? Drapeau bleu, drapeau bleu. Tu as besoin d'un coup de fouet pour dépasser, passe au mode ERS dépassement sur ton AMF. Il est super efficace, même s'il vide la batterie en moins de 2.
J'ai essayé de J'ai essayé de le sortir. J'ai jamais réussi, frère. Pite-le. Ah, j'essaye. Oh non, mais les pédales et tout, les gars, c'est vrai que... Allez, tocard. Ah, à l'arvoyeur. Drapeau vert. Ah, bon, ici. Au moins, je finis devant lui, les gars. Ce connard. Non, non, je voulais finir la course pour la beauté du geste. Je voulais finir la course, les gars. La course était chaotique. Horrible, mais je l'ai fini. Banne-le maintenant, ouais, je vais banne, les gars. Il est éteint, Nisha, ouais, ouais. Non, mais lui, je vais le turbo ban. Casser Nisha, on s'en retient. C'est quoi son pseudo? Quelqu'un a essayé de marquer Nisha dans la liste des viewers? C'est quoi son pseudo Twitch? Bah, peut-être Nisha, pas trouvé, il y est pas. Oh, rien n'apparaît, ok. Bouton 9 plus 12 et retour de force, le dos. Attendez, parce que Thrustmaster, il me faudrait une fiche. Chaussette, c'est quand tu télécharges le jeu, mon frérot? Moyen de mettre auto les vitesses. Les gars, vous galérez vraiment à passer les vitesses. Dites-vous, c'est plus facile. Le P, c'est plus... Vous voulez que je vous les mette en automatique, mais c'est... Je DL Forza Motorsport, là. Et j'ai pas de setup, moi. Ah, c'est incroyable. Mon volant, les gars, là, ça va fuser. C'est juste, franchement, c'est mon setup. Il est trop loin, l'écran. Ah, putain, je suis attaché, moi aussi. Oui, c'est bien, c'est bien. Pourquoi tu t'attaches? Tu crois que tu vas faire un vrai accident? Non mais attends, t'as vu tout à l'heure comment j'ai failli décoller? Bon, est-ce qu'on va rester bloqué dans la forêt ou pas cette fois? Il est attaché à cause de la G-Force. Bah oui les gars, vous me posez des questions là, sans déconner. Par contre le vent là, il doit être au niveau des pecs. Ah, il est beaucoup trop là. Déjà, je vais descendre ça. Après, au niveau des mains, est-ce qu'il est à la bonne taille ou pas? Le problème, c'est que. Ouais, il est trop là. Au niveau des pecs. Le haut du volant ou le milieu? Il est un poil trop. Trop loin, vraiment. Après, les gars, j'ai essayé de faire au mieux. Ah, j'avoue que tout setup, en fait, franchement, je me suis dit que ça serait plus facile en stream, mais j'avoue que... Et en fait, je voulais vraiment la première expérience, tu vois, ça c'est cool. Si je testais tout et que j'aurais tout fait au début, bah, ça aurait été plus fluide, mais là au moins, il est trop loin, mais mec, moi, au niveau de la distance, parce qu'après, pour tourner, je sais pas comment faire, moi. En vrai, ça rend bien, je trouve, pour le stream. Ouais, j'ai essayé de faire... Je savais que la cam, ça allait, mais c'est juste... J'ai mal branché le volant au début, puis pour trouver la panne, j'avoue que j'avais pas capté qu'il était mal branché, quoi. Enfin, c'est pas une panne, hein, c'est moi. Juste le micro. Bah oui, le micro, c'est moi, les gars. Alors, choix du circuit. Vous êtes toujours là, ouais. On met quoi? Après, là, c'est stream, vas-y. Brésil. Allez, je suis trop chaud, Brésil, j'adore. Attends, qu'est-ce qui avait mal? Ah oui, il faut la fiche Thrustmaster, attends. Que tu vois, c'est trop stylé, hein. Tu vas sur le site Thrustmasters. De manière, je vais refaire un truc propre demain aussi. Là, ce soir, c'était bien, hein, mais je vais tout représenter demain. Demain, c'est restreamé. Enfin, je refais exactement la même chose, je vais pas m'arrêter là-dessus.
post. Attends. T818 mapping. Est-ce que je tombe dessus ou pas? Yes. En fait, c'est bien parce que tu vois, il y a un schéma. Voilà. Alors, le bouton, c'est le bouton 12 du coup, que je ne trouvais pas. Le bouton 12, c'est K2. C'est quoi l'autre que je trouvais pas? Et le bouton 9 en haut à droite. D'accord. Faudrait que je l'imprime ça. Je vais l'imprimer demain. Tu vois, j'aurais su tout ça, j'aurais imprimé là, mais mec, je savais tout. C'est pas si facile que ça. Mais t'es en RP, le bouseux, c'est où? De quoi? Ah, en RP, le bouseux, ouais. Ok, les gars. C'est tout ce que je fallait que je fasse. Faut que je fasse quoi? Faut que je supprime les IA, on n'en peut plus, les IA. Ah, retour de force. Putain, mais le mec qui a voulu me sortir H24, mais tu te demandes c'est quoi qu'il fait quoi. Ah, quel est le but, genre? C'est rien. Oh, ah là, je suis carrément sur le cul. Ben, j'espère que je les banne. Mais je crois qu'il a quitté tout seul parce qu'il savait que j'allais le ban. Et ce con, il n'est pas revenu. Oh, c'est infâme ton micro. Ouais, je sais, les gars. Je peux rien faire, les gars. Non, mais les gars, c'est un des meilleurs micros du marché, sauf que je ne l'ai pas paramétré. Demain, je le paramètre. Attendez, je vois ça avec mon ingé son. De troll. Je suis pas dispo. Il n'est pas dispo. Excuse-nous. Ouais, bah. Attendez, je vais essayer vite fait. On s'en fout d'entendre les vitesses. C'était pas ton casque à LCS? Bah, en fait, ça, c'est le HMD27. Un casque, mec, je sais pas combien il coûte. C'est un des meilleurs casques, mais en vrai, vas-y. Oh! Allez, faut que je fasse une bonne qualif. Je fais une calife de génie là. Ah, je vous ai pas mis les vitesses, les gars, c'est ça que je voulais faire. Oh, le passage de vitesse, ça sent trop stylé les palettes, vraiment. Ça fait un gros clic de ouf, mais putain. Magnifique. 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 Septième sur 11 parce que... Eh non mais attendez, cette ligue DNF. Oh. Simon Perrini, c'est qui là, c'est là. Simon Perrini, c'est un professionnel. Mais Simon il se perf. Bon, je suis pas non plus super loin, mais. Tu t'intéresses à la F1? Ah ouais, j'adore. Mais là t'es gaze là, non? Je t'ai mis une seconde au karting, comment tu peux me dire ça? Trois secondes sur un tour quand même. Bah, ça va. Aucune idée, mais il est là tous les ans, il gagne à chaque fois. Il est là tous les ans. Et en vrai, franchement, faut trop qu'il y ait la roue Ferrari. Mec, on va se faire des trucs de ouf. Je kiffe de fois, pas tout le temps. Faut pas le faire tout le temps. Bon là on va le faire quelques fois dans la semaine hein, évidemment. Mais faut juste que j'apprenne tous les boutons, comment rentrer dans les stands. Oh misère de misère de misère, c'est pas possible. Bouton 6, c'est...
Alors là, attendez, on est d'accord, j'embraye à fond, je mets ma 1 et je lâche embrayage. Tout à l'heure, j'ai fait les choses à l'envers. Tout à l'heure, j'ai fait les choses à l'envers. L'embrayage. Non, mais mec, le volant est trop. Je suis Charles Leclerc. Non. Allez, faut que je garde l'embrayage. Tu as une pénalité de drive-through. Tu as reçu une pénalité de drive-through. Ok, tu as subi des dégâts au niveau de l'aileron avant. Tes performances vont grandement chuter, sauf si tu repasses au stand pour le remplacer. Merde. Non mais c'est moi les gars, c'est moi qui a fait cracher tout le monde là, je crois, non? Là, je sais pas c'est quoi ma vue arrière. Mais les pilotes de F1 ils tournent comment? T'es ma frère, regarde. Oh la vache, sous la pluie on se rend pas compte. C'est injouable. Mais il m'a mis un kilomètre en une seconde. Bon, 9e, c'est carré quand même. Ouais, j'ai plus d'élan, ça. Il vient de me dépasser comme... De respect quoi. Et ben, je tournais comme si c'était ma clio, frère, la voiture. C'est impossible de tourner un volant de F1. Ah non, mais j'ai plus d'aileron, c'est injouable. Faut que j'aille au stand, non? Je pense que je vais gagner du temps. Hein. Je vais au stand ou pas, les gars? Je pense que ça tente pas. Ah, mais c'est horrible. Maintenir 2, c'est quoi 2? Fonce, fonce! Tu as tourné trop tard et on a perdu du temps avec cet arrêt. Fous tes lunettes! À 9! Et... Ah non, je me suis gouré, putain, 12! Le 9, il est en haut à droite, putain! Bon, 17e. Ah, c'est terrible. Bon, je fais du drift. C'est Tokyo Drift, le truc. Big L. Ah ouais. Ah, mais je pense que je vais en rattraper plus d'un là. Hein. Mais c'est mal.
Mais comment faut tourner un volant de F1, frère? J'ai jamais vu les pilotes avec une main. Tarasse! Drapeau bleu. Drapeau bleu agité, creuse l'écart et laisse passer la voiture de derrière. Oui, bon. Et pourquoi ils sont invisibles? Si tu ne purges pas ta pénalité de drive-through sur ce tour, tu seras disqualifié. Qu'est-ce que drive-through? Sympa la balade sous la pluie. Y'a rien qui va. Mais putain, mais mon faux départ, mais où? Là, je vais le désactiver direct. Ce truc. Je peux pas les désactiver les aides de... C'est pas un coup noir, ça. Oh, c'est beau. J'aurais dû essayer. Oh, c'est horrible la course. Ah, c'est la pire course de ma vie. Hein. Oh, j'ai repété les gonds. Je vais mettre 10 ans à finir. T'es marre. Sans déconner. Avec la monoplace, on ne pourra pas tenir longtemps avec ce genre de dernier des derniers. Je reviens pas. Drapeau bleu. Ah ouais. Je sais pas si je peux régler la sensibilité des pédales ou faut que je la démonte, je sais pas. Enfin que je la démonte, que je change les ressorts. Ils ont déjà fini là? Ah d'accord. Vainqueur. On ne court pas contre la voiture de derrière, laisse-le passer quand tu peux. Oh la vache. Pourquoi le 12 il est activé là? Pourquoi j'ai des warnings là sur le volant? Ah, y a le drapeau! Waouh, c'est trop stylé! Bah attends, je vais mettre les pleins gaz là. Il me reste un tour. Il me reste un tour là. Tu t'as dit que t'étais un grand pilote d'op, Samy. T'as pas dû regarder tout le stream. C'est pas un problème de pilotage, c'est un problème de touche. Là j'arrive pas à savoir c'est quoi les touches. Il faut que je m'imprime ma feuille. Ah non, mais c'est... là franchement c'est un bijou quoi, j'avoue je kiffe. Là ça fait quand même jouer à un jeu F1, c'est vrai qu'avec une roue basique, c'est quand même frustrant. Là c'est vraiment le top du top quoi. J'ai regardé sur Twitter, Simon Périnby, c'est un joueur e-sport F1. Oui, il doit faire des temps, mais enfin rien n'est inaccessible. Rien n'est inaccessible, je vais pouvoir le doubler, mais bon. Permets-nous d'en douter. Si, pour toi, c'est... On fait quel tour de course, les gars? Alors, attends, qu'est-ce que j'avais de problème? Attends, je vais re-regarder les touches. Je vais re-regarder les touches, parce que là... Alors, le bouton 12, le bouton oil, c'est 8. Le bouton 12, c'est le K2. 13, c'est S1. 9.
4. Attendez, mais qu'est-ce que j'ai fait au mauvais départ là? Parce que j'ai appuyé sur l'embrayage à fond, j'ai mis la 1 et la voiture a s'est barrée. C'est pas possible. On est d'accord, c'est pas possible. Là, c'est l'embrayage auto. Il n'y a pas besoin de mettre la vitesse normalement. Si tu avais un permis boîte mécanique, tu le serais. Attends, c'est le moment où je pète un câble ou? Tu connais pas mes talents de pilote, frérot? Si tu utilises l'embrayage, désactive l'assistance au départ, sinon au passage de vitesse, c'est comme si tu lâchais l'embrayage. Ah voilà, merci. Non, mais enfin, un professionnel, putain. Mettez pas prêt, les gars, s'il vous plaît. Attendez, mettez pas prêt. Attends, désactive. Ouais, parce que là, je dois avoir une aide au démarrage. Comment je désactive ça? Mais que du soleil, s'il te plaît. J'avoue qu'aujourd'hui, ouais, je vais mettre que du soleil. Ah, si vous voulez, je vais vous mettre pour les noobs. Là, j'ai vu que vous avez un peu de mal. Je vous mets, si vous voulez, les vitesses. J'avoue que les vitesses, bon, j'ai peut-être un peu forcé à chaque fois. Tac. Faut enlever, personnaliser en haut. Mais quoi? Je mets quoi, les gars? Personnalisé, bah. Rien, ça change que dalle. Boîte de vitesse. Moi, je mets manuel. C'est bon. L'aide au démarrage. On peut rien faire pour les fantômes. Bah, je crois pas. Départ de course. Ouais, pourtant, je l'ai manuel. Pense que c'est bon, les gars. Hein. Mais dégâts réalistes. Non, non, personne ne va finir la course. Les dégâts réalistes, c'est impossible. Peut-être plus tard, mais là, attends. Pour enlever les fantômes, mettre exclusion pour anti-jeu, non. C'est où que tu vois ça? Mettre exclusion pour anti-jeu. Voilà. Dernière ligne. Merci Movico pour les 10 mois de sub. C'est bon les gars? Vous êtes prêts ou quoi? Choisis le circuit. On se fait quoi? Un petit Abu Dhabi, non? Au Qatar? Ah non, Abu Dhabi, il est long, non? Portugais, je me suis. Portugal.
Autriche. Ouais, vas-y, on va faire un petit Autriche. Vas-y, j'avoue. Attends, il n'y a rien, hein. Ok. Top 3 obligé. Ouais, allez, c'est pour moi, les gars. Là, c'est bon, je me sors les doigts. C'est bon. Je l'ai. Come on. Pour moi, les gars, t'es prêt? C'est ta course. Oui, c'est bon. Comment je fais là pour me serrer plus les dents. Suis un débile pour ça. Il n'y a que moi qui est débile dans ma vie à chaque fois. Je sais pas comment faire. Pour me serrer là. Comment je fais pour serrer là? Ça, je suis trop. Allez, les gars. Bah, en fait, tout va se jouer au calife. Pas la peine de mettre la ceinture, les gars, s'il vous plaît. Bien sûr que oui. Prochain stream, il faut que je règle absolument le micro. Enfin, si je peux, parce que ça. Essayer de le faire tout seul au pire, mais en fait ça me saoule parce que je sais pas comment régler ça quoi. J'ai envie de serrer plus là. Je suis attends, je suis pas plus débile qu'un autre quand même. Là, faut automatiquement faut que je tire dessus. De tirer dans le vide. Ça, sur ça, j'ai toujours été. Comment je donne du mou? Même là, là. Vous la sentez la masterclass arrivée les gars? Je suis top 1 là. Quelle masterclass! Quelle masterclass! Je viens de lâcher là. Là, vraiment là. Belle course, oui. Joli l'avant-dernier virage, gros dernier virage, et eh oui. Non, c'est mon circuit, les gars. Le fail au départ, c'est cool. Ouais, je vais pas le faire à l'embrayage, je sais pas comment ça se passe à l'embrayage là. Mettre combien de secondes? Bon, après, c'est pas non plus déconnant, hein. C'est l'erreur du deuxième turn, oui, qui m'a complètement bouleversé, mais sinon je l'avais. Dommage le fail au deuxième turn, mais j'ai. Oui, non, mais sinon après je les avais. Ah non, 3 secondes, ça va, c'est pas si déconnant que ça. Ça pour être invisible à la première seconde. Je vais pas répondre. Je vais le faire à l'embrayage. Alors, je vais le faire à la vitesse parce que l'embrayage, je l'ai tenu tout à l'heure. Et quand j'ai passé la vitesse, ça m'a fait avancer 100%. Les gars, à tous les pilotes, faites attention. Le premier départ est le plus important. Donc, foire pas le virage. Non, non.
Je vais pas le faire à l'embrayage. Embraye, vas-y, démarre. Ok, bon, passez le premier virage. C'est bon. Maintenu ta position sur ce premier tour. C'est pas terrible, mais c'est pas grave. Oh, ta gueule! Reste concentré. Pas terrible, j'allais dire que c'était une masterclass, moi! C'est un ouf, mais frérot, je fais un tour de masterclass là. Mais lui, mais il me saoule. Ah c'est bon, j'ai le DRS les gars. Là il va m'en faire le malin. Utilise le dépassement, on va consommer une partie de l'énergie récupérée. Comment ça me saouler lui? À la il est trop nul. Retour à la normale. J'ai fait lui. Wesh. Mais comment ils vont? Qu'est-ce que c'est bien? Je les suis hein, mais bon. Ça me surpris, bah ouais, là ouais. Ah je mets tout. Attention! Méfie-toi du sous-virage quand tu suis la voiture devant de ton. Dis-le moi peut-être avant, abruti. Mieux vaut tenter un dépassement à la moindre occasion. Fonce! Voici l'écart avec notre coéquipière. 8,5 secondes. Les gars, je vais les dépasser, je m'en fous. Meilleur qu'avant hein, avec ce. Oh, y a encore un mec derrière moi. Qu'est-ce qu'il fait là lui? Mais... Tu entres dans le dernier tour, dernier tour.
mais ils m'ont touillé eux. Oh, c'est bon, j'ai pas touché. Oh, ça sent... Non, 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 j'ai pas touché, j'ai pas touché. Une pénalité pour cet incident. Non, mais dis. Oh, attends, je suis pas sorti. Ouais, comment il te fume? Bah, j'ai pas compris. J'ai cassé mon aileron sur lui, les gars. Sur moi? Bah, tu m'étonnes. Bah, c'est toi qui m'as poussé, Ishwiz. C'est quelqu'un qui m'a poussé, je crois. Mais des fois, je suis comme ça sur la F1, frère. Mais je peux pas faire ça. Regardez, là, comment tu veux faire? Je peux pas. Comment ils font? Bon, Autriche, très belle course de ma part. Septième, j'ai beau dire que Simon, indétrônable. Ça joue les trois premiers, ils ont dû se régaler avec les chronos. Et puis moi, je me suis pas régalé là. Attends, je me rapproche de course en course. Non, par contre, il y en a, ils en font exprès de bump, c'est horrible. Je peux pas mettre plus de tours. C'est pas. Top 3, impossible pour toi le top. Oh. Impossible pour moi, redis ça un peu. Allez, mon top en fond de 6. Ouais, en fond de 8, à la limite. Passe le permis manuel histoire de faire de meilleurs temps que les tops. Non, mais les gars, déjà, le seul problème que je rencontre peut-être, c'est que je suis à 4 km de mon écran. Genre, vous vous rendez pas compte, quand je pilote, je suis comme ça. Là, je suis... pour ceux qui n'ont pas vu tout à l'heure, c'est littéralement ça. Hein, là, c'est... je suis à 4 km. Putain, la ceinture de. C'est marre. Je sais pas si vous rendez compte. L'écran est petit. Ah, hein. Et là, ma vue, elle est comme ça. Hein. Baisse la rotation du volant dans les paramètres. Les 360 degrés. Tu mets 300 degrés. Ah ouais, tu penses? Ouais, oh, parce que 360. Je pense que les pros, ils mettent moins, non? J'ai 300 perso. Comment je... Ouais, bon, Simon, merci de tes conseils. T'as essayé de changer les paramètres de DRS, Simon? Ah, mais c'est le nouveau volant, bien sûr que c'est le nouveau volant, il est masterclass. Franchement, j'ai pas d'excuses là. C'est quoi la calibration? Oh! Ah ouais, tu m'étonnes. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Ah bah non, il tourne pareil. Pourquoi il tourne pareil? C'est peut-être dans les menus directement de l'écran. Attends. Réglage. Angle de rotation. Je mets 300. Appliquer. Mise à jour en cours.
Non, mais c'est bon. Voilà. Mais voilà. Voilà, c'est déjà mieux. Non, mais attendez, j'ai le logiciel Thrustmaster, les gars, pas de problème. Non, mais je vous jure, en fait, tout à l'heure, j'étais préparé. C'est juste que je sais pas pourquoi, je suis trop con. J'ai mal branché l'écran, le volant, j'ai pas assez enfoncé, quoi. Mets un petit Espagne, vas-y. Est-ce qu'il y avait quelque chose à faire durant cette course? Non, j'ai. Est-ce qu'on, vas-y, on se fait Espagne et après on fait un grand Grand Prix et on terminera là-dessus, les gars, pour ce soir? N'oubliez pas code KDOP sur la boutique Thrustmaster. Ouais, c'est code créateur, les gars. Code créateur KDOP. Si vous voulez vous prendre un petit setup pour nous rejoindre. Franchement, après il y a des roues F1 aussi stylées. Ouais, non, mais là c'est bon. Brésil, par pitié, bon, on l'a déjà fait, frérot. Ouais, bon, à tous les pilotes, est-ce que vous êtes prêts? Parce que moi, oui. Allez, go. Là, c'est free top 3. Ouais. Espagne, je connais pas le circuit. Enfin, je sais plus c'est lequel. Je les connais tous, hein, mais. Là, je le revois pas. Choisis l'écurie. Non, ça, je l'ai déjà fait, ça. Non, c'est bon, McLaren. Et mais je sais pas si vous entendez. Ouais, je pense. Aidez. Vous entendez le bruit des palettes? Et c'est trop qualitatif. C'est genre quand je la passe, mon gars. Ah, puis le volant, franchement, moi, j'en profite pas encore à 100% parce que là, je l'ai pas paramétré au niveau des touches. Mais là, rien que les LED et tout, j'avoue que si t'es fan de F1, c'est le truc à avoir, là, en vrai. Après, là, le seul truc qui me dit que mon expérience, c'est l'écran. Et que le volant est un peu trop haut, mais ça, je vais le faire demain. Et là, j'avoue que l'écran, j'avais pas réfléchi, mais en fait, je pense qu'avant, la base, j'arrivais à la faire. Mais là, elle est quand même beaucoup plus grosse que l'ancienne. Et du coup, je suis trop lent. Je suis beaucoup trop loin. Un système. L'écran sur le volant, tu le regardes jamais en course. Attends, Oiseau TV, t'essayes de me piéger en disant que le volant sert à rien, mais frérot, parce que je suis un noob. Mais bien sûr que si, là j'ai l'endurance des pneus directement à 24, j'ai le temps des. J'ai tout là. J'ai la position. Putain, je connais pas le circuit. Ah oui, d'accord, c'est celui-là. Ah ouais, non, mais c'est bon. C'était la rotation des. Ah ouais, non, mais c'est carrément mieux. Ça va, oui. Du coup, ça part un peu plus vite. Ouais, 300 degrés, ça part vite. Non, c'est vrai, c'est vrai. Y'a pas à chier. Non, 300, oui, c'est. En fait, faut que, je me suis habitué à trop le, à trop tourner, je pense aussi. Embarqué par le volant, frère. Et mais la force que ça, mais c'est impressionnant. Je passe à des livres du combien de kilos ça, mais vache. Gère ton bolide. Bah, j'essaye de gérer l'écran, le volant déjà. Pas doux avec le volant comme avec des chats, c'est ça. Alors, pas de la piste. Heureusement qu'il y a des petites roulettes bloquantes. Hein. C'est vrai que ça, par contre, mon setup là. Le cockpit, il est trop bien pour ça, mec. En vrai, là, tu vois, cet après-midi, j'ai fait tous les câbles et tout. Bah, mec, c'est top du top. T'as pas la force, Dope, frérot, s'il te plaît.
pas que j'ai pas la force, c'est que je me laisse embarquer. Augmente les degrés dans le jeu. À tous les pilotes, faites attention au départ, les gars. Ça part très vite. Akela, c'est un. C'est quoi le cockpit ? Le cockpit, c'est un. Un ex-level racing. Et franchement, en fait, moi, ce qui me saoulait, c'était un cockpit que je pouvais pas bouger. Parce que là, le bureau, j'aime bien. Et mec, il est sur des roulettes. Je débloque les roulettes et je l'emmène partout. Trop, trop bien. Franchement. Après, le top du top, c'est de jamais le bouger. Mais bon, moi, je peux pas. Allez les gars, souhaitez-moi bonne chance. Essayez d'être fair play, essayez de faire des beaux dépassements les gars. C'est parti. Embraye, c'est bon. C'est le départ. Là ça va être la merde. Que ça va, dis-moi si ça va. Qui a fait ça? C'est pas, c'est moi là. Inconsolable. Depuis tout à l'heure, il y en avait qui me disaient ça sert à quoi la ceinture? Bah, à cause de connards comme ça! Oh, replay du. Les gars, c'est qui? C'est qui m'a fait ça là? Parce que c'était volontaire, on est d'accord? Alors, c'est quoi mon bouton 10? C'est le gars avec la pénalité. Alors, bouton 10. Ah, d'accord. Ah, il est trop bien fait le volant, même les touches. En vrai, c'est parce que j'ai pas l'habitude, mais. Ouais, ça m'énerve, j'ai pas l'habitude. Faut avancer doucement, mais bon, là. Bon, bah. Putain, vas-y, je sème. Comme un couillon, là. Là, le top 3, ils sont chauds, hein, ouais. C'est vrai qu'ils sont assez chauds. Après, bon, je suis pas ridicule non plus, mais bon. En fait, j'arrive pas à savoir s'ils sont à fond. Parce que Simon, il leur met quand même une pilule à chaque fois. C'est le gars avec 5000 chevaux dans son pseudo, je crois. Willby ? C'est Fabio, on voit le clip de DNF quand il te touche. Et il est dans le chat, Fabio PP04, les gars ? Il y a peut-être du monde qui a vu ce qui s'est passé, hein. Il va peut-être y avoir des témoignages, les gars. Replay du missile. Ah, vas-y, j'ai le seum, là. Je savais pas que t'aimais F1 2024. Ouais, j'aime bien, ouais. Après, en fait, quand tu commences à faire trop de tours au millimètre, je sais pas. Bon, après, je pense que je t'y ferai aussi. Moi, j'aime bien, c'est quand il y a beaucoup de débutants. Bah là c'est bien là, tu vois, là c'est impeccable. Bon, pas des mecs qui missilent la gueule, mais... Ah ouais, c'est Fabio. Bon, ça va, il n'y a que 5 tours, heureusement. Sinon, je pense que j'aurais utilisé mon pouvoir de streamer à relancer une course.
Je reviens les gars, je vais pisser. Je vous laisse avec la performance de Simon. Je vous change la caméra, ça peut être sympa. Vous mettez cette caméra là, non ?